Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Bon matin. Hey, sérieux, je suis levée depuis... Je me suis réveillée à 4h45 à peu près. Puis je me suis levée à 5h15. Il est rendu 8h30. Donc, imagine-toi donc. Notre vol a été annulé. Le vol de Bagotville vers Montréal, dans le fond. Nous autres, on faisait un escale. On faisait Bagotville, Montréal, Montréal, Cancun. Fait que là, notre vol de ce matin, à 11h05, vers Montréal... est annulé. Quand même un stress, mais je suis vraiment fière de moi parce que je trouve que j'ai quand même bien géré mon stress. J'avais le goût de pogner les nerfs, j'avais le goût de pleurer, j'avais le goût d'être impatiente, mais je me suis recentrée vraiment. J'ai pas pogné les nerfs, j'ai eu un petit peu d'impatience, là, mais pas à outrance. Puis j'ai vraiment bien géré la situation, je trouve. Personnellement, en tout cas, moi, je me suis trouvée bonne. Là. Je sais pas si Jeannette confirme que j'ai quand même pas tant pogné l'air. T'as mis bien. Après les enfants, puis tout, là, parce que là, j'étais stressée parce que j'étais pas capable de checker, puis là, ça allait pas assez vite. Fait que, tu sais, j'ai t'sais, vraiment été comme si de rien n'était avec les enfants pour pas justement saboter comme notre départ en même temps. Tu sais, que je me dis, tu sais, déjà qu'on va partir longtemps, s'il faut qu'on parte, puis que je les aille engueuler tout le matin parce que j'étais stressée à cause d'un vol, genre. Il n'y aurait pas eu un bon souvenir, tu sais, de tout ça. Je suis vraiment fière de moi, sérieux, pour vrai. Parce que il y a quelques temps, c'est comme ça que j'aurais réagi, je sais. Je sais que j'aurais envoyé chez Jonathan, j'aurais envoyé chez tout le monde, genre. Puis, tu sais, c'est ça, j'aurais pas bien réagi. Oui, je suis stressée, oui, j'ai de la peine, oui, ça me fait chier parce qu'on va arriver comme à soir. Là, finalement, c'est ça. Josiane a fait des téléphones. Pour nous autres, hey, là, elle a géré like a boss, là. Elle a géré like a boss, tu sais. Puis nous autres, en plus, on n'a jamais voyagé, là. Puis je parle pas anglais, fait que c'est comme... C'était un stress de plus, mais c'est ça, je l'ai quand même bien géré, je me suis recentrée. Puis j'ai lâché prise un petit peu. Un petit peu lâché prise, mais je suis contente quand même, tu sais, de ma réaction. Je vois vraiment que j'ai fait un progrès. Puis là, c'est ça que je voulais dire, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, voyons, ça va bien. C'est bien long avant d'avoir des nouvelles. Non, 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 un croissant. Un croissant? Puis, dans un podcast, justement, ça que je te disais. C'est les amis. Oui, c'est les amis. Tu dis bonjour. Tu ne vois pas de gaspillage de croissant, par exemple, hein, parce que c'est. C'est pas simple. Dans un des podcasts, justement, de Karine, qui est âme et égo sur Spotify, elle parle du temps, je pense, on a fait comme ça. Puis elle disait que quand tu n'es pas aligné, tu as l'impression que ça va pas assez vite, que le temps va pas assez vite, que, ou inversement, quand tu es super bien aligné, tu sais, c'est comme ça va trop vite, tu sais, je veux dire, ou bien, en tout cas, c'est comme, je me souviens pas exactement, il faudrait que je le réécoute, mais là, ça prenait tout son sens ce matin, parce que là, je disais, oui, on n'a pas de nouvelles, c'est bien long, c'est bien long, c'est bien long, puis là, je voulais que ça aille plus vite, tu sais, puis là, j'arrivais, fait que là, j'ai fait, attends un peu, là. Là, Marie, là, respire, lâche prise, fais ta vaisselle. Ça, tu peux contrôler ça, ta vaisselle. Le reste, on ne peut pas rien faire. Au pire, ce sera demain. Au pire, on y partira demain, tu sais. Puis, that's it, là, tu sais, je veux dire, c'est là, là, on n'a pas le choix, là, tu sais. On a le choix. Justement, on pense qu'on n'a pas le choix. J'ai fait le choix de le prendre de cette façon-là. Fait que je suis vraiment fière de moi. C'est ça que je voulais te partager. Donc, finalement, ben, c'est ça, on va falloir faire de l'auto. Ça me fait un peu... chier parce que j'aimais ça, tu sais, de partir d'ici, on n'avait pas besoin de voyager, tu sais, de partir, mais qu'on revienne, c'est quand tu reviens, ça te tente pas de faire de la route, puis tout, mais en tout cas, on part de Québec, c'est moins pire que de Montréal, là, mettons, fait qu'il y a ça, mais on va être quand même aujourd'hui au Mexique, fait que ça va être super, on peut dire qu'on a quand même de la chance. Il est 8h30, je vais faire mon petit ménage, ma petite journée tranquille. On va s'occuper des enfants. Puis, on va partir vers 1h pour Québec, pour l'aéroport.
Et voilà la grosse histoire! Ça n'a pas de bon sens. C'est bien là, dans le fond. Ben non, c'est ça, c'est pas si pire finalement, mais tu sais. Dans la vie, tout a, t'sais, rien n'arrive pour rien. Fait que ça, c'est quelque chose que je crois beaucoup à ça. Fait que c'est ça. C'était dû pour arriver, c'était comme ça. C'était, on avait à vivre ça, ce moment-là. Peut-être pour me faire réaliser des choses, justement, que, à quel point que je chemine sur moi-même dans des situations stressantes comme ça que j'aurais vraiment décompensé. Là. C'est clair que je décompensais avant. Là. Fait que. Hein? Ça marche, le développement personnel! Fait que je te tiens au courant, je t'amène dans ma journée, puis on s'en parle plus tard! Bon, on a eu le OK pour partir vers Québec. J'attends toujours, par exemple, la confirmation là, écrite. On a la confirmation verbale que tout va être beau, mais c'est ça. Fait qu'on s'en va, on va aller tanker. Puis après ça, bon, on se monte à Québec. Ça prend 2 heures à peu près. Fait que voilà, tout s'éclaircit. Ça va bien aller. On va vivre le moment comme qu'il vient. Puis on va accepter ce qui se passe. Hein? Ce qu'on peut contrôler, on contrôle. Ce qu'on peut pas contrôler, on va juste... Il y a quelque chose qui va arriver de toute façon. Fait que, on va profiter de tout ce qui s'en vient. Puis, on est déjà parti comme en vacances déjà. Fait que, on aura le temps qu'on aura là-bas, puis on va en profiter là-bas. Fait que voilà! J'ai vraiment hâte! On s'en parle plus tard! Juste d'arriver à Québec! Donc, on va aller manger. On s'en va, on va aller probablement aux galeries de la capitale. Jeanne veut manger du poulet rouge, capote là-dessus. Fait que c'est ça. Notre vol est supposé être à 5h40, donc j'imagine qu'on va être à l'aéroport quand même assez tôt. Mais c'est ça. Fait qu'on va prendre le temps d'aller manger, puis après ça, on va se diriger vers l'aéroport. Fait que... Il est 14h20. On vient tout juste d'arriver dans le stationnement de l'aéroport. Oui, c'est barré. Mon cœur débat. Je suis vraiment plus excitée, j'ai chaud en même temps, j'ai frette. Je suis stressée, j'haïs ça. J'avais pas aimé ça passer la sécurité et toutes les douanes. Là. C'est vraiment comme stressant. Là. C'est un drôle de feeling. J'ai comme une boule d'émotion positive, négative. Là. Je sais comme trop pas comment que je file, là, mais en tout cas, c'est juste du positif, c'est juste du beau. Là, ce qui s'en vient, c'est juste du beau. Là. Au pire, ça va être retardé, mais tu sais. On est rendu. Fait que voilà! Yeah! Mexico! Nous voilà! Happy New! Où qu'on s'en va, Jeannette? Mexique. Oui! À part aux États-Unis, on n'est jamais allé ailleurs. Non. C'est malade. Comment tu te sens? C'est cool. Pas plus que ça, qui est pas expressif. Hein? C'est idole quand tout est full expressif et l'autre personne à côté de toi est comme trop pas expressif, genre t'es là. Crie ta joie! En tout cas, fait que là, on va rentrer bientôt. Fait que je vais te laisser. Mais inquiète-toi pas que tout ce qui va se passer, tu vas le savoir! Donc, tout a bien été, la sécurité, ça a vraiment été moins pire qu'à Victoria quand j'ai pris l'avion pour la première fois. Fait que je suis vraiment contente. Je me suis fait fouiller, par exemple. Mais c'était bien correct. Là. Tu sais, j'étais vraiment bien organisée cette fois-là parce que je savais un peu plus à quoi m'attendre. Donc, c'est ça. Je m'en viens à un petit pipi! C'est un on a à peu près 14 minutes de retard, à peu près. On est chanceux, il y a comme personne à côté de nous. Fait que tantôt, on va se tendre. Tu es contente? Tu es excitée? Ouais, ça va être cool. Quand ça met les accélérateurs, c'est hot. Il y a le beau soleil. Oh, oui. 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 Oh, oui.
to assist you. As there are no designated smoking areas in the airport, smoking will only be permitted once you've left it. We do hope that you enjoy your flight. Thank you. Yes. Epic. Là, c'est hot, là. C'est humide pis c'est hot, là. C'est vraiment beau. Finalement, je vais faire un house tour, un room tour un peu plus tard. On est resté à bien de même. Vraiment, j'ai changé de gilet. Puis on va aller trouver le monde en bas. C'est un petit 5 étages. À pied? Ah oui, c'est beau. Ouais, c'est ça, ma seule déception que j'ai de la chambre, c'est que j'aurais voulu être du bord de la plage. J'ai l'impression que la plage est de l'autre bord, puis là, je suis comme à l'intérieur du resort. Là, j'ai pas l'impression que demain matin, on va avoir une vue. Mais en tout cas, c'est pas grave, je vais prendre mon café ailleurs. Fait que c'est où? C'est chaud, c'est humide, ça fait, mais c'est tellement beau, là. C'est tellement beau, là. C'est beau, ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai vu Carolie pour la première fois. Carolie, ça fait un an et quelques que dans mon équipe, tu sais. Puis on s'était jamais vu. Malade. Fait que, c'est ça, enfin à mon port. J'en reviens pas, c'est un matin, tu sais, comme à quel point qu'on est loin d'un matin, tu sais, là. En tout cas, c'est cool, hein? Bon premier matin, presque 9h, je suis juste à Beachy Waves. À quel point c'est humide dehors. Fait que c'est ça, il doit être 9h à peu près. Je suis en train de faire notre sac. Je sais pas si je vais revenir ici souvent parce que c'est quand même loin notre affaire. Je me suis fait couler un petit café. Fait que c'est humide, hein? It's a really, really humidity here. Puis là, attention, c'est sûr que je vais parler anglais toute la semaine. Là, je me sens vraiment bilingual. On a eu une super belle soirée. On s'est couché vraiment trop tard hier. Ah, oh, c'est pas drôle quand l'alcool est gratis. Cheers de café au Mexique! ça, c'est dehors, notre petit balcon. Tout le monde a genre un petit jacuzzi comme ça. C'est trop beau. Mais là, c'est ça, il y a la savane, ici. Puis la plage, dans le fond, est l'autre bord. Mais là, tu sais, c'est ça. On pouvait pas avoir des chambres. Enfin, il aurait fallu qu'on paye. Ça, on aurait voulu des chambres au bord, sur le bord de la plage. Et là, ce matin, j'ai mis mon maillot. Je me suis rien amené. Encore une fois, hein? Le linge fait partie de mon stress. On dirait que je ne me suis vraiment rien amené. Mais là, je me suis mis du texturisant dans les cheveux déjà ce matin. Parce que dans le lit, c'est très, très, très humide. Là. C'est comme, oh my god. Je me suis crémée aussi. Puis, c'est ça, fait que je vais prendre un petit peu mon café ici.
Puis on n'est pas pressé, on n'a pas rien de stressant. Faudrait, je veux pas être dans le faudrait que. Le matin, il y a des déjeuners réseautage, genre pour aller signaler notre présence. Fait que je vais peut-être bien. C'est jusqu'à 10h, je pense, ou 9h. Fait que je suis comme déjà trop tard, de toute façon. Fait que ça ne m'aurait rien couru après ça. Mais. C'est ça. Alors qu'on est arrivé hier, tout ça, ça va aller demain. Demain, j'irai signer ma présence. Oups, mon Dieu. Puis sinon, ben c'est ça. On va essayer de survivre. Puis c'est ça, le sud, ça a l'air, les cheveux, les lettres. Puis. Tu fais ce que tu peux. Oh là là. Non, c'est pas ce que c'est. On aime déjà. J'ai mis ce petit maillot-là. J'ai mis ma petite robe. C'est comme un maillot, robe de cache-maillot. Puis j'ai mis des shorts avec mes gogoons. Voilà. Moi, je déjeune pas le matin. Je ne changerai pas cette habitude-là. Déjà que je vais prendre beaucoup trop d'alcool sucré. Mais j'ai décidé de lâcher prise là-dessus. Fait que. C'est ça. Hey, c'est-tu capoté? Carré, le tabac. Ok, là, je ne me comprends pas. Josiane a dit, je sais pas comment tu vas faire, Marie, pour pas manger, genre, parce que j'avoue que les buffets, ça a l'air mon gueule raide. Fait qu'on va. Hein? On enjoy le moment? On va enjoyer le moment. Tant qu'il y a du bacon, moi je vais être contente. Hey, c'est fou, c'est immense. Ça n'a pas de bon sens. Ben voyons donc. Ben voyons donc. La route qu'on arrive, d'habitude, je dis qu'on arrive à pied, c'est là-bas. Faut comme aller la voir, la petite fille là-bas, je pense. Les maths, là. Un genre de jacuzzi. La plage est là, mais mon Dieu que c'est beau! Ben! Ça n'a pas de bon sens! Mais ça n'a pas de bon sens! C'est-tu qu'on est chanceux? Ça rend compte? Hein? Tu te rends compte à quel point qu'on est chanceux qu'on se serait jamais permis de partir cette année? Ouais, hein? Jamais qu'on serait parti cette année. Jamais. Jamais. Si j'avais pas. Ça rend pas justice. Hey, le monde sont dans l'eau là-bas. Ouais, c'est ça. C'est le coup de le dire à tout le monde. Ah, c'est pas l'eau. À la peu, je vais être plus proche que ça de l'eau. Je pas venu ici. Prendre ta blonde. Ouais, j'en peux en trouver l'autre. Ça prend l'ombre, ça a l'air, parce que ton jour va s'aider. Ah, c'est beau, des palmiers. C'est beau. Je ne pas que vous, c'est beau. Ah, ça sent comme l'eau qui pue. Wow. Incroyable. Bon, fait qu'on va essayer de trouver un spot.
bientôt l'heure qu'on aille se préparer, mais on est venu un peu sur le bord de la piscine. Wouh! Là, il y a des hamacs. Hey, on n'a même pas profité de la piscine encore. Mais c'est vraiment là, super le fun pour vrai. Là. On est vraiment bien. On a mangé le buffet, je te montrerai ça. On va manger là ce soir, on n'avait plus de place dans les restaurants. Donc, on va aller manger dans les buffets. Je viens de prendre mon premier verre, j'ai pas bu de la journée. J'avais pas le goût, je veux pas me saouler, tu sais. J'avais pas le goût de passer ma journée chaude, là. Oui. Surtout demain, j'ai pas le goût de me réveiller hangover, vraiment pas, là. Puis je vais essayer de faire attention à ça. Je viens de prendre mon premier verre, puis je fais vraiment pas attention, là. Tu sais, je prends vraiment un verre qui me tente, puis je m'en fiche, là. J'ai vraiment bien mangé ce midi, par exemple. On est allé au buffet, on va souper là encore ce soir. Je me répète là, parce que je ne sais pas si ma vidéo de tantôt ça a fait, c'est pour ça. Mais c'est ça, on va se préparer tantôt. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger, mais c'était super bon à midi. Moi, j'ai vraiment bien mangé. J'ai fait attention, puis tu sais, pas attention, mais tu sais, c'était facile de choisir des bonnes choses qui fit avec ce que je mange d'habitude, fait que c'est parfait. Donc, je vais continuer dans ce sens-là. Au niveau de la nourriture, c'est plus au niveau des drinks là, que je me laisse aller. C'est correct. Je vis très bien avec ça, c'est super le fun. Je viens de me prendre un petit mojito. Un mojito mango. C'était vraiment bon. Fait que, hein? C'est fou! Ça sent bon! Donc on est en petite tenue. On s'est préparé. Et là, c'était temps qu'on sorte à la chambre parce qu'on allait clairement s'endormir. Ouais, c'est ça, c'est humide, c'est lourd, le teint, c'est comme... Hier, on s'est couché tard. On se couchera peut-être pas tard ce soir. On verra. On va prendre ça comme ça vient. C'est sûr que le jour, on ne fait pas grand-chose, par exemple. À part être couché sur la plage, puis on n'est pas sur les grosses activités. Puis, de toute façon, pour ça, c'est le fun, parce que nous, Jonathan, on s'était dit, la première fois qu'on va partir en voyage, c'est ça qu'on veut faire, genre rien faire. En tout cas, faire... comme ça vient. Here is good. Okay. Feel the clip, Dad. Feel the clip, Dad. You're perfect. Here is good. One more cheers, everybody, Dad. Cheers. Mon premier service, je me suis servi. J'ai vraiment confiance en la nourriture. Sérieux, ici, c'est tellement chic, tellement beau, tellement propre là, que je suis certaine que ça va être bon. Je me suis pris des tataki, puis je me suis pris un petit peu de sushi avec du riz, tellement minime que j'en ferai pas de cas. C'est mon premier service. J'ai pris plein de belles photos du buffet. Fait que c'est vraiment le fun, mon Dieu. Je vais manger plein de fois. J'ai trop mangé. J'ai trop mangé! J'avais le goût de me prendre genre 5-6 assiettes, j'arrêtais plus, j'étais là, mon Dieu que c'est bon! On est revenu au lobby, dans le fond, on est dans le lobby ici. Ça, c'est comme le chicken tu fais là. Puis le lobby a comme un genre de place pour avec des chaises, un DJ à toutes les soirs. Fait qu'on est venu là, on va prendre un petit verre, mais on est vraiment fatigué. D'après moi, on va se coucher de bonne heure ce soir. On en profitera plus demain. On verra. Fait que, on se met pas de... On se met pas de barrière, on s'est rien fixé, fait que c'est bien correct comme ça. Puis ça me tente pas d'être hangover demain matin, ça me tente zéro de toute la semaine de light, fait que je vais vraiment faire attention à ça. Puis je m'en allais faire un petit peu. Oh là, bon matin! Donc on est le jour 2, mardi aujourd'hui. Donc hier soir, je me suis couchée vers minuit.
C'était vraiment le fun. J'ai fait un live sur Instagram. C'était drôle. C'était vraiment le fun. Là, j'ai montré le resort de soir. C'est magnifique. Puis moi et Valérie, on est allé se promener dans les autres resorts, là, plus bas. Puis on a des pouvoirs plein de belles places. Donc c'est sûr qu'on va aller se promener là aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment hot. Il est 8h20. Moi, aujourd'hui, c'est ça. J'ai une réunion à 10h jusqu'à midi. Puis après ça, on a notre journée de libre. Donc, on s'en va déjeuner. J'en vais prendre un bon café. Puis Jonathan, lui, ben, pendant que je vais être partie, va s'entraîner. Sûrement, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va faire sa vie. Puis, ben, on est-tu bien? Hein? On est-tu bien? Oui. C'est fou, là. Ça le fait. Ça le fait. C'est sûr qu'on vient un jour. On va avoir le goût d'en revenir. C'est ça. Là, on comprend plus que ce que le monde dit, genre, quand on part en voyage, puis qu'il retourne à chaque année. Sans doute. Ouais, sans doute. Mais quand il n'y a pas ça dit. Ouais. On se mentait à nous-mêmes. Fait que je te dis une belle journée, puis on s'attend tantôt. Je vais te montrer le buffet du matin. Je vais peut-être bien pas résister, mais hier, c'était pas. Jonathan, tu n'avais pas choisi ben grand chose qu'il aimait, là. Je vais faire le tour avec Jonathan. Ouais, c'est ça. On était comme pas prêts, là. Ben, sûrement. Tu mettras ça dans mon sac. Mais prépare-toi-en 2-3, puis. Du chia. Hey, c'est beau, là. Des bananes. Bitchy! Oui. Aïe, aïe. Les patates, ils ont l'air bonnes. Moi, je l'ai mangé, elles sont bonnes. Ça, ça a l'air d'être du vrai bacon, tu sais. Donc, on a fini de... pas déjeuner, déjeuner. Jonathan, lui, s'en va s'entraîner pendant que j'ai une réunion. On a eu un super beau verre, genre, de toute notre organisation. C'est trop beau! Il est tellement beau, je suis vraiment contente. Je m'en vais le remplir de café! Ah, ce matin, c'est ça que je voulais te dire. Genre, un matin, là, j'ai eu un petit, une petite angoisse, là. Tu sais, c'est comme, hier, les enfants n'avaient pas d'école, fait que c'était pas stressant. Puis là, ce matin, ça recommençait, l'école recommençait comme un matin. Puis là, j'ai comme été stressée parce que, là, je me disais, j'étais dans le lit, puis là, j'ai fait, j'espère que Marcus, il a toutes ses collations, j'espère que, tu sais, ils n'ont pas manqué l'autobus, j'espère que tu sais, là, j'étais comme là, j'ai fait, tu ne peux rien gérer, tu ne peux rien gérer, genre, fait, ça donne absolument rien, ça donne absolument rien de stresser pour ça, je ne peux rien faire, où est-ce que je suis? Fait que j'ai pris 3-4 respirations, puis j'ai fait, ma mère gère, c'est pas grave, c'est Marcus, il n'y a pas toutes 50 000 collations comme moi j'y fais. Ça fait aussi, puis s'il n'y a pas son kit d'éduc au pire, c'est pas si grave, tu sais, en tout cas. Fait que je me suis vraiment parlé, parce que j'avais le goût d'écrire à ma mère, puis de savoir, tu sais, ça va-tu bien, tout à fait, et tout. Mais finalement, je l'ai pas fait, fait que je suis vraiment fière de moi. Fait que c'est l'heure du coffee! On a trouvé notre spot à la piscine!
C'était tellement le fun, là! La journée a passé vraiment vite. Il est déjà 4h20. Puis nous, ce soir, on a un cocktail. Un cocktail pour aller pour les premiers méritants. Je sais pas si je suis obligée d'avoir une robe. Hein? Tu penses que je suis obligée d'avoir une robe? C'est pas. Pas grave. On s'en va dans l'ascenseur. Parce que là, mes cheveux sont mouillés puis ils dégoûtent orange. Fait que j'ai pas le goût de mettre ma robe blanche, genre mon couvre-maillot blanc. Parce que je vais tacher ma robe. Check, c'est là. 9, le Jaguar. Nous autres, on est ici. Fait que c'est genre là. De quoi? Le bar, le Jaguar. Là, on est? On est là. Comment le temps? Pas loin. En tout cas, fait que c'est ça, on s'en va changer. On va se préparer pour notre petit cocktail. Puis nous, ce soir, on soupe probablement encore une fois au buffet. Mais moi, j'aime vraiment ça, souper au buffet. Je trouve ça vraiment bon. Ça me dérange pas du tout. Fait que, on verra. Peut-être qu'il si, va peut-être avoir de la place dans un resto, on ira, on verra. Mais sinon, on va aller manger au buffet bien relax. Pas de stress. Il n'y en a pas de stress. J'ai vraiment pris des drinks aujourd'hui, c'est super bon. On a pris des daiquiris aux fraises. C'est vraiment bon, des daiquiris aux fraises. Puis hier, au buffet, justement, on nous a servi un jello shot, là. C'était tellement bon, ça n'allait même pas avoir. Jour 3, on est mercredi. Oh, que c'est beau! Il est 7h ce matin, puis j'avais le goût de venir marcher sur le bord de la plage. La playa! C'est vraiment beau! Ça n'a pas de bon sens. On s'est couché tôt hier, vraiment tôt. On est allé souper. On a les deux pognés comme un endormi, hein? Ben. Moi plus, on a dormi, mais tu sais. On s'est fait un petit jacuzzi sur notre balcon. On a écouté du Adele. On s'est couché genre vraiment très tôt. Puis là, il me dit, Marie, on a une bébite au plafond. Fait que là, moi je regarde la bébite au plafond. Si elle me tombe dessus, j'ai capoté. La bébite est tombée dans le lit, mais là, trouve plus la bébite. Hey! Jonathan dit c'est un papillon. Hey, m'a t'en faire un papillon, c'est une croquerelle. C'était tellement dégueulasse. Ça avait pas de bord. J'avais jamais vu ça, un papillon rond. Genre. Rond et avec une carapace. Ah, c'est quoi? Fait que c'est ça. J'ai finalement. On l'a trouvé. Pour... Puis il l'a tué, mais ça a été. Les vagues. Fait que, voilà, on va marcher. On marche comme on descend les autres resorts. Il y en a plein. C'est vraiment hot. Là. C'est vraiment beau. Fait que, il y a comme un petit quai plus loin. Là. Ça a l'air qu'on voit des poissons jaunes, genre comme Nemo. Allez voir ça. On se prend maintenant. On n'a pas de plan. On en profite. On a des petites nouvelles des enfants ici et là, mais on ne leur a pas parlé. Je pense que ça me. Tu sais, on revient encore trop loin pour qu'ils commencent à s'ennuyer. Tu sais, ils doivent juste commencer à s'habituer à qu'on ne soit pas là. Fait que ne m'entend pas. Les stresser. Là. Fait que, on est bien, puis on parle à nos grands un peu. C'est bien correct. Ah ben.
On va peut-être les appeler ce soir. On verra. Fitness. Il y en a un autre là. On va aller voir. On peut y aller. On peut aller voir. Belle job, tu sais. Ah, ils font leur beau. Ah, mes enfants vont capoter. J'ai jamais vu ça, les filles. J'ai jamais vu ça. On s'est mis en mode exploration le matin pendant que Mario et Jonathan sont allés s'entraîner. On est comme venus visiter les autres resorts là, de notre complexe, là, dans le fond. Je sais pas comment dire ça, mais en tout cas. Bref, il y en a plusieurs. Fait qu'on est comme, on a longé la plage. Il y avait des dauphins, on ne savait même pas. Fait que c'est vraiment là, tu sais. C'est vraiment beau, là. C'est fou. Puis là, c'est ça que je disais. À chaque fois que je vois un autre resort avec des enfants, je suis comme, pour que j'amène des enfants, je capote la vie. On a décidé de prendre l'autobus, on est rendu trop loin. Salut! C'est tellement cool. On est dans le jus, là. Hey, qu'on sait pas quoi faire tellement que. C'est trop le fun. Pour vrai. On capote. On s'en va à la piscine. On a vraiment préféré la piscine hier. Fait que. Puis c'est une belle journée, encore une fois. Fait hot. Donc, on est revenu de notre petite escapade. On avait vu des tyroliennes, puis tout, mais finalement, c'est pour enfants. Fait que. On va laisser faire. On dirait que moi, payer comme 400$ là, pour aller faire une activité, ça me. Tu sais, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire ici gratuites que je sais pas si ça me tente vraiment d'aller faire des excursions. Donc, voilà. C'est la journée piscine encore aujourd'hui. T'es beau, mon bébé. Oh, on l'a raté. On a raté l'ascenseur!
Donc, que ce soit, on va souper au lobby. Donc, on s'en va souper ce soir au restaurant Japanese. Et puis, on va s'en aller au lobby. On va aller voir si nos amis sont là. Bon, je pense qu'on a un hibachi, genre, fait qu'il va comme cuisiner full devant nous autres. Ça va être malade. J'ai hâte de voir ça, ça va être fou. Je vais sûrement filmer. Fait que. Je t'amène avec nous. C'était super bon souper. J'ai vraiment mangé des choses que je mange pas d'habitude, mais c'était vraiment très, très bon. Fait que. Je sais pas quelle heure qu'il est, mais on va aller. Probablement prendre un petit verre au bar. Mais là, il faut que j'aille faire pipi, encore une fois. J'ai vu. Genre. Tu vas à la chambre? Comment? Ok, on va lâcher un petit peu, puis après ça, on va redescendre en bas tantôt. Donc, voilà, c'était vraiment bon. C'était-tu bon, ton bébé? Oui. Jonathan, t'as pris une soupe à l'oignon. Gratiné. C'est de l'oignon cuit. Ah, c'est de l'oignon cuit, ça passe. Oh, c'est wow. Bon matin. On est jeudi matin, aujourd'hui. Finalement, on n'est pas sorti hier. On est tombé encore une fois. Amorphe, plus d'énergie, plus d'entrain. Je vais aller filmer un peu de toute façon dans une tête d'eau. Il est 7h et quelques, là. On s'en va marcher sur le bord de l'eau. C'est vraiment beau. Ça n'a pas de bon sens. Ça va être encore une fois une journée chaude. Hier, j'ai eu des petits coups de soleil, là, un petit peu, genre un petit peu. En tout cas, fait que, c'est tellement fun. Mais, j'avoue, j'ai un petit cafard. Je sais pas si ça t'a déjà fait ça quand t'es parti dans le sud, genre, mais là, j'ai comme une drôle d'émotion, genre. Ça me tente pas de prendre la boisson toute la journée. Obligé, là, on s'entend. Mais l'effet d'entraînement, pis tout, tu sais comment ça fait. Puis après ça, je m'ennuie, je pense, de mes enfants. On les a pas parlé encore. Fait que, tu sais, c'est ça. Je parle à ma mère régulièrement, là, puis aux grands, puis tous les bébés, tu sais. On leur a pas encore parlé. Puis en tout cas, on va les appeler ce soir. Ah, Seigneur. Fait que là, c'est ça. Tu sais, j'ai comme. Puis là, on est comme à. Il nous reste 3 jours à peu près. Fait que, tu sais, c'est aussi le cafard de. On va partir bientôt. Puis en tout cas, j'essaie de. Faut pas que je pense trop. Je pense trop, c'est ça l'affaire. Mais que c'est ça, sinon, c'est un bel fun. Hein? On va passer une belle journée encore une fois. Merci. Bon, on cherchait le yoga, puis on dirait qu'il n'y en a pas, là. On attend. J'ai vu un beau gros lézard. Là, j'ai vraiment chaud. J'étais comme habillée avec mes shorts, là, mais je vais aller me mettre en maillot, là, puis je vais décoller la saison de la piscine. Je vais leur demander s'ils attendent pour le yoga. En tout cas, j'aimerais ça qu'il y en ait, on dirait qu'il n'y en a pas. Bon, ben finalement, ça en vient. Je vais être obligée d'en faire. Souris, Marie! non, je suis super, je suis sûre que ça va être super. Hein? Ça va être super. J'ai vraiment chaud. Ça va être une expérience de yoga chaud. Genre, ça paraît que c'est super. On va aller dans la mer après, en bobette. Fait que, ça va être le fun. Je vais filmer un peu sûrement. Ma deuxième expérience de yoga. Ouais. Thank you.
chaque fois, je veux me défiler. Mais Val, elle a tenu bon, elle était bonne. J'arrêtais pas de dire, oh non, il fait bien trop chaud, il fait bien trop chaud. Mais on va attendre un peu. À la plage, on allait avoir un beau courant d'air. C'est ça. On va attendre un peu, Marie. On va attendre un peu, là. Je suis là, maintenant, il fait chaud, ça. On se demande, ça va de mon temps. Et donc, je l'ai fait, puis je suis tellement contente. Ça, ça a vraiment fait du bien, là. C'est du stretching, mais tu sais, c'est un peu comme des petits peu de position de yoga, genre, qu'on avait fait à retraite. Puis, non, non, ça. Ça fait du bien. Fin. Donc, on va aller chercher nos choses, on va aller se mettre en maillot. On va commencer la belle journée. Ben, elle commence pas mal, là, mais. Avec un drink? Ah, non, pas de suite, mais je. Si je bois trop de bonheur, je vais être chaud trop de bonheur, puis après ça, je me couche trop de bonheur. On vient à Mourf après. Oui. Tu sais, là. Avec la chaleur. Ouais, c'est ça. Attends, attends. Je me suis endormie d'aplomb. J'en avais besoin, il faut croire, hein. Fait que c'est. Je sais pas quelle heure qu'il doit être à peu près une heure et quelques, là. On vient dîner. On va souper! On soupe tôt ce soir, puis on en regrette. C'est ça qu'on a, on a pas aimé à date, là. Puis on aime tout du sud, là. On aime tout notre voyage, là. C'est comme on a aucune chose qu'on n'aime pas. La seule chose qu'on n'aime pas, c'est la planification. Genre, être obligé d'arrêter d'avoir du fun pour aller souper. On était en train de faire Zumba full pin, puis Jonathan, on tripait au bout, puis là c'était comme time fly, it's time to go to the restaurant. Ça nous tentait pas partout. Puis on a parlé aux enfants pour la première fois ce soir, on a pleuré. Pas parce qu'on avait de la peine ou qu'il n'y avait pas de l'air bien, mais tu sais, on a comme fait. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, là. T'sais, on a eu un petit ennui. Comme que j'avais ce matin un petit cafard là, de m'ennuyer de la maison et tout, mais tu sais, je sais que la routine va très bien se réintégrer très rapidement, genre. Fait que on est aussi bien de profiter vraiment pleinement du moment présent, puis jusqu'à la fin. Nos enfants, ils avaient l'air heureux, ils étaient contents de nous parler. Ça nous ressource de leur parler. Ouais, ça nous a comme donné de l'énergie, là, tu sais, de. On sait comme encore plus. Savoir que ça va bien. C'est ça, ils sont en sécurité, ils sont bien. On s'est ennuyé, on s'aime. C'est ça. Donc, on va leur trouver des belles surprises. Mais à soir, c'est notre soir, on a le goût de danser. Fait qu'on mange ce soir au japonais. On a réservé une table, genre, pour le hibachi qu'il appelle. C'est comme le. Seigneur Lupien. Lupien! On a réservé une table genre le chef il cuisine devant nous. Fait que c'est sûr que je vais filmer ça! Et j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça va être. J'espère que ça va être bon. Hein? Mmh, hier c'était super bon au restaurant français. Quand même, on a très bien mangé. Et puis, c'est ça. Fait que je te dis un beau belle soirée. On se reparle. Ciao!
fait chaud. Il est presque 9h. Je me suis levée tard aujourd'hui. On est sorti hier. On est allé au Jaguar Bar. C'était vraiment le fun. On a vraiment dansé. Genre, j'étais chaude là. Oh mon Dieu. C'était rough. Ma tête, c'est rough. J'ai pas mal au cœur à rien, mais tu sais, je me sens vraiment comme de la bouette. Fait que mais ça va. Tu sais, je vais passer une journée. Là. Je m'en vais marcher avec Amélia. Puis d'autres personnes, dans le fond. Fait que on va aller faire. Ben, marcher, c'est comme vraiment dire genre marche rapide là. On marche vite avec Amélia, elle marche tellement vite. Je sais même pas si je vais être capable de suivre. En tout cas, ça va me réveiller. Ça va me mettre on track. J'ai mes ketones qui vont m'organiser ça. Il fait vraiment chaud, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est beau. C'est tellement le fun. Bon, encore une fois, j'aime tellement ça marcher, j'aime tellement ça. Maudit qu'on est bien. Ça va être tough en revenant à la maison. Ça va mieux. Hein? Quand on bouge, ça va mieux. Fait que là, je vais aller me mettre en maillot. On a marché 2-4 km quand même. Je voulais aller faire le stretching, mais là, j'ai vraiment trop chaud. Là. Je me sens vraiment comme blarque. Fait que c'est ça. Je m'en vais me mettre en maillot. Je vais aller sur le bord de la piscine. Je vais me prendre de l'eau, là, j'ai tellement soif, là, ça va bon sens. Puis je mangerai probablement pas le matin. Parce que là, j'ai trop bu d'alcool. Là, puis dans ce temps-là, là, je vais donner un break à mon foie. Puis beaucoup trop de sucre aussi, hein? On s'entend. Fait que, mais c'est correct. Là. Encore une fois, je le redis. Fait comme essayer de me convaincre en même temps, tu sais. Hein? C'est correct. C'est pas impossible d'avoir. Une routine de vie comme à maison, là, c'est impossible. T'sais, j'ai bien beau essayer, là, ça marche pas. Fait que c'est ça. Je m'en vais me préparer. J'en ai je sais pas si bien. On va. Je vais aller sur le bord de la piscine. Hola! Señorita! On a passé une super belle journée, encore une fois. Comment dire? Hein? C'est le rêve ici. Pas dur à passer une belle journée. Sérieusement, là ce soir on a un souper avec les francophones, donc on est je ne sais pas combien de francophones ici au Mexique, mais on a un souper ensemble ce soir, donc ça va être super plaisant. J'ai mis ma trop belle robe bleue que j'aime d'amour, je l'aime tellement cette robe-là, là, je capote dessus. Puis là on s'en va prendre un petit cocktail avant d'aller souper à 7h, puis ça se couvre, on n'a pas eu de pluie de la semaine, là. Puis là on dirait que ça commence à se couvrir. J'espère qu'on n'aura pas de pluie demain. J'espère. En tout cas, fait que, là-dessus, ben, je vais te souhaiter une belle soirée. Je vais peut-être filmer un peu plus tard. On verra comment ça va aller. C'est ça. On va popper le champagne! C'est parfait, Valérie. C'est parfait, Valérie. Moi non plus, j'aime pas ça, mais hey, tu vas être champion, comme David. Hey, t'es en face à poche. Tu penses, ça va, non, faut pas. Mais oui. Mais non. C'est vrai, pas. C'est vrai, ou pas. Allez. Tu vas échapper à couper. Mais non. Je fasse. Salut les beaux amis! À votre succès! À notre oui. Succès tout le monde! Les gars, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler à quel point vos femmes sont exceptionnelles? Bon matin! On est samedi! La dernière journée complète ici! Ah! Même pas que je dirais que ça n'a pas passé vite! Ça a passé vite! Ce matin, c'est un petit peu plus grisonnant, mais il vente plus, c'est moins chaud que les autres matins. Je vais faire un bon café, puis je vais marcher par là-bas. Là. Quand tu relaxes, aller voir peut-être hein, pendant que Jonathan s'entraîne, qu'est-ce qu'on va acheter aux enfants comme souvenir de notre journée magasinale. T'es pas encore allé.
s'imprégner de cette beauté. On a de la chance d'avoir été ici. Ma belle amie! Oui, on va s'ennuyer! Oh, tellement! Oui. Écoute, Caro, elle reste à Fermont. Ça fait comme un an qu'on se parle à tous les jours. Puis là, on a enfin fait connaissance. Oui, on l'a sûrement déjà dit au début du voyage. En tout cas, on a vraiment passé. On se l'est dit au moins 100 fois. Hein? On a vraiment un beau voyage. Je suis super contente d'avoir passé du temps avec ma belle amie. Oui, moi aussi. Ça consolide nos liens. Ça nous, ça fait juste nous dire qu'on est vraiment là, des bonnes amies. Des bonnes amies. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun. Fait que finalement, il fait encore très, très humide aujourd'hui. Les gars, nos chums sont en train de s'entraîner. Jonathan, il y a une recrue. Puis, c'est ça. Fait que là, il va nous rester à faire une vidéo parce que fallait faire un reel pour comme toute la gang, toutes les épicures, genre. Fallait faire un reel pour avoir des points puis gagner des prix. Fait qu'on a fait tant! Fait que là, il manque un clip. On va faire ça aujourd'hui. Puis, on va sûrement aller magasiner là, tantôt parce que nous autres, c'est ça, on n'a pas acheté encore nos cadeaux de souvenirs des enfants. Ah, on a pour ça. Fait que, c'est comme gris, mais ça s'éclaircit. Fait que d'après moi, il ne mouillera pas aujourd'hui, finalement. Non, regarde, c'est parti. Moi, ça s'en va par là. Bon, ça va passer avant, comme on dit. On n'a pas eu ben de nuages, mais c'est pas arrivé. Non, c'est ça. On a été vraiment choyés. La température était malade, pour vrai, là. Oh my God, je peux pas croire que c'est déjà demain qu'on part. On va mettre nos petits pieds dans l'eau. On va coucher, ça devrait bien. Ouh! Dans ta bouche! Deux belles mamies. Deux belles québécoises. Gros magasinage. Je vais te montrer ce que j'ai acheté aux enfants. On est tombé sur un petit chapeau comme ça ici, style Michael Jackson. Oscar qui danse comme Michael Jackson de ce temps-ci sans arrêt, qui fait tout le temps le mouvement du chapeau. Fait que j'ai trouvé ce beau petit chapeau-là. On a acheté deux masques de lutteurs. Un à Philibou, Spider-Man, puis un pour Marcus de Rey Mysterio. Ensuite de ça, moi je me suis acheté, j'achète tout le temps un petit crayon, genre toujours savoir un crayon. Puis un petit Perfect Lay de Riviera Maya. On a acheté de la sauce piquante pour Elliot Pienzo qui capote ses sauces piquantes. On a acheté à Ophélie un faux Louis Vuitton. Mais tu sais, il est vraiment beau. Là. C'est vrai. Ben non, c'est pas vrai, c'est ça. Ça coûte vraiment trop cher. C'est 500-600$ en affaire de main. Tu sais, normalement. Là. Puis, on a acheté une Rolex à Elliot. On a dépensé. Rolly. Puis on est tombé, je vais te montrer de l'autre côté, ça va être plus facile. Je suis tombée sur ce chandail-là, Just Do It Later. C'était vraiment trop drôle, j'avais pas le choix de le prendre. Et j'ai acheté à ma mère une belle couverture du Mexique, comme ça ici. J'aimerais ça m'acheter une tasse, évidemment, pour boire mon café le matin chez nous. Quand je me rappelle de Victoria, je prends ma tasse de Victoria. Fait que, c'est ça. Fait que là, il est rendu quand même 1h38 avec tout ça. On va se crémer, se mettre en maillot, puis on va aller à la plage. Pas à la plage, à la piscine. Puis à 6h, vers 5h30, on va venir se préparer. 5h30. C'est le bal en blanc ce soir. Moi, je m'en vais avec ma petite coupe de Not Champagne. Je me suis beaucoup trop acheté de vin pour ce que j'en ai bu. Jonathan, t'es vraiment beau. Checker ça. Là, il faut qu'on aille prendre une photo avec notre kit en blanc.
de la Swan. On s'en va aujourd'hui. Donc là, on est en train de marcher. On va aller chercher la figurine de Kakashi qu'on a achetée au marché hier pour Enzo. Oh là là. Même, ça n'a même pas rapport avec le Mexique. C'est pas grave. On va ramener des souvenirs. Hein? Bon, on a acheté une boutique mexicaine. Ouais, on a acheté une boutique mexicaine. Fait que c'est ça, on s'en va marcher un peu. Après ça, nos valises sont toutes faites. C'est encore un bout qui me stresse. Là. Moi, c'est maudit de valises, là. De poids de valises, que ça me stresse. Maudit que c'est tannant. En tout cas, ça n'a pas rapport, là, mais ça me stresse. On paiera 5$. Non, c'est plus cher que 5$. C'est pas grave, on paiera, on arrive. Jonathan, t'es pas stressé là-dessus, en tout cas. Fait que, il est juste 9h30, puis là, ben, on part de l'hôtel à 1h pour aller prendre l'avion juste à 5h40 à soir, tu sais. C'est ça qui est tannant, hein? C'est vraiment des longues journées d'attente, puis que, tu sais, t'es comme bloqué, tu peux pas trop... c'est ça. Fait que, on a eu une semaine de fou. Hier soir, on s'est couché tôt. Moi, j'ai bu du vin, puis ça m'a comme tellement amorti là, que j'étais plus capable à 10 heures. Là. J'allais jamais me coucher. Fait qu'on n'a pas profité de la salsa cubaine. Ça devait être bon, par exemple. Mais c'est pas grave, on s'est couché. Moi, j'étais plus capable. Ça, je voulais pas être maganée aujourd'hui. Là. Ça doit tellement être dole de prendre l'avion maganée. Il fait encore très chaud. Comme toujours. Puis, c'est ça. On va profiter des derniers moments qui nous restent ici. C'est quoi que tu as aimé le plus de ta semaine, Ben? Pas beaucoup de choses. Plein de choses. La plage, la piscine, le jaguar. Le jaguar, c'est vrai que c'était le fun, le bar. Le lobby, le lobby, tout était le fun, dans le fond. Très bon. Hey! Tout était le fun. On s'est fait plein de nouveaux amis. Sans qu'on s'en rappelle. Encore quelques images de ce lieu incroyable, magnifique. Que j'espère un jour revoir. Je l'espère de tout mon cœur. On s'est pris un petit mimosa. On a fait notre check-out. On attend pour prendre l'autobus à 1h. Il est 12h20. Puis, c'est ça. Fait que... Il fait chaud. On va me mettre en chaleur un peu juste parce que je veux m'imprégner et ne plus jamais manquer ce genre de voyage-là. Arrivé! On s'en va chercher nos valises maintenant. On revient demain matin pour vol vers Québec. Donc, voilà! Donc, il est minuit et demi. On est à l'hôtel Sheraton, à côté de l'aéroport à Montréal. Demain matin, notre vol part à 8h10, je crois. Il faut qu'on soit
L'aéroport pour 6h et quelques. C'est ça. On se couche. Ça fait du bien de dormir dans des draps pas humides. Genre, c'est tellement humide les draps là-bas, là, au Mexique, là, que c'est vraiment tannant. On suivait notre vie durant l'année. J'ai pris ma douche. Puis là, ben, je me couche. Là, je vais me coucher. Je suis fatiguée. On est brûlé. Et voilà, super bien été. Tout s'est bien passé. Puis on en devant nos cocos. Là. Hein? Maintenant, il faut que ça finisse. Fait que demain, c'est la dernière journée du vlog. Fait que je vais finir avec quand on va voir les enfants et tout et tout. Fait que j'ai vraiment hâte de les voir, mes cocos. Fait que on s'en parle demain. Bye! Bon matin au Québec! Temps d'attente de prendre l'avion pour Québec. On part dans quelques minutes. Puis on est à une heure de vol de Québec dans le fond. La nuit a été courte. On s'est couché tard quand même. On s'est levé tôt. Fait que je prends mon petit café. On attend de passer pour aller dans l'avion. Je suis vraiment reconnaissante de tout ce beau voyage-là qu'on a fait. C'était vraiment, vraiment magnifique. C'était vraiment le fun. Je regrette rien du tout. Ça a passé vite, mais ça a passé juste assez. C'était juste assez long, je trouve, comme pour un premier voyage. On a hâte de voir nos enfants. C'est surtout ça, la prochaine étape. Donc, on va arrêter au Costco à Québec. Puis on va se descendre après à Chicoutimi. Salut! Oh, salut! Oh, mon bébé! T'as perdu ta dent! T'es bon! Salut! J'ai essayé de filmer, mais là j'étais trop émue. Pleurais. Oh, les gros frissons, ça a fait du bien. Puis j'ai encore émotive. Bon! Le Costco est là. Là, on va défaire les valises pour donner les surprises aux enfants. Êtes-tu content de voir papa et maman? Oui! Vous vous êtes ennuyés? Oui! Nous autres aussi, on est contents de vous voir. Oh non! Lève-toi debout. Es-tu prêt? Tiens, ouvre tes yeux. Un chapeau de Michael Jackson! C'est justement Michael Jackson! Ouais. Non, il est dans l'envers! Où ça, bébé? Ouais, comme ça! Oh, malade! Oh, oui! Oui. T'es-tu content? Tony! Ok, t'as un petit cadeau pour toi! Oh, le requin! Il est beau, hein? Il a plein de dents, lui. Il n'a pas perdu. Il est beau, hein? C'est la mienne. Hein? C'est quoi, c'est une Rolex? Oui. C'est une Rolex? Non! Oh, shit. Oh. C'est une pause? C'est du Mexique, hein? C'est ça, c'est du Mexique, c'est cool. Merci! Eh, what the? Rolex! Il y en a qui n'ont deux, il y en a qui n'ont rien qu'un, mais s'ils n'ont rien qu'un, c'est plus cher. C'est ça. On start! Non! Arrête! Marc! Non! Stop! Mais vous êtes riche? Ouais. Attends. Arrête! Impossible! Mais Louis! Il y a un petit porte-monnaie que tu peux accrocher ici, là. Comme ça. Elle est belle, hein? Elle est malade. Je ne veux pas y toucher, l'estomac. Tu es contente, ben oui. La capote. C'est un Louis V. Ben oui. Gucci Louis. J'ai l'impression de ne pas être bronzée, pas en tout. Regarde, je te montrerai, les amis. Oui, on a acheté ce chandail-là à Québec, à Marcus. On a trouvé vraiment du beau linge chez l'abbé Oscar avec son beau chapeau de Michael. Maintenant, encore une belle petite passe de Michael Jackson. Oh, this is it! Fait que je vais te montrer un peu mon Costco.
Malheureusement, mon pied que je m'étais acheté avant de partir, il a cassé. Fait que là, je pense que j'ai plus rien pour me. Pour mettre mes affaires. C'est un peu drôle. Fait que je vais te mettre sur le bord de la fenêtre comme dans le temps. Il y a tellement de belles affaires, je peux secourir mon beau cœur. Oui, qu'est-ce que mon grand amour? Les cheveux de Michael. Ouais, c'est difficile les cheveux de Michael Jackson. Faut que tu... Ben, faudrait que tu les fasses pousser. Qu'ils deviennent longs, longs, longs. Mais lui, il a les cheveux noirs frisés. Toi, tu as les cheveux bruns droits. Ça va être difficile d'avoir les mêmes cheveux que Michael Jackson. Donc, justement, on a acheté des barres aux figues comme ça parce que Enzo m'a demandé, ça faisait trop longtemps. Puis, je trouvais que c'était trop cher ici. Mais là, il y en avait au Costco. Fait que j'étais bien contente. Deux paquets de framboises, deux paquets de mûres. On a fait de l'épicerie la semaine dans le fond. Acheter ça ici, good to go. Des blondies puis des brownies. Donc, ça, c'est des. C'est plus un, quelque chose qui est low carb, keto-friendly, que je dirais. Puis, c'est ça, les ingrédients, ça a quand même du bon sens. Farine d'amande comme premier ingrédient, du vinaigre de cidre de pomme, du sel de mer, des graines de chia. Non, ça a quand même très, très bon, du bon sens. C'était cher, par exemple, mais tu sais, moi, je vais pouvoir en manger de temps en temps. Ensuite de ça, on a racheté les Made Good comme ça ici. Ça, c'est toujours très, très, très bon. Ici, cantaloupe. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Je trouvais ça vraiment pratique pour les petites collations, genre dans l'après-midi. Des genres de petits bâtonnets de pain, tu sais, que tu peux tremper dans le chocolat ou dans le petit crémeux. Genre, mais là, le petit crémeux, il n'y en a plus nulle part. Fait que j'en ai acheté deux boîtes parce que j'en avais pas vu ici au Saguenay. Du jambon cuit. On a acheté aussi deux boîtes de Oreo comme ça. Il y avait ça, ça avait de l'air super bon, puis santé. Tout était fait avec des bonnes choses, là, fait que c'était vraiment intéressant. C'est comme des bouchées d'énergie, sans gluten, si je ne me trompe pas. J'ai racheté du riz chou-fleur, il n'y en avait plus ici. Le Saguenay, il n'y en a plus, ça fait un petit bout. Les cerises congelées, on n'en a pas au Saguenay. Brocoli radis, chose qu'on n'a pas ici au Saguenay, puis moi j'adore ça. Deux fois des mini piments parce que je sais que moi et Eliott, on adore ça aussi, manger des trempettes au fromage Philadelphia. J'ai acheté des salades de fruits comme ça, du Nutella, des noix du Brésil. J'ai acheté ça ici, des broguises. Je sais pas trop c'est quoi, là. Je sais que c'est fait, c'est vegan, en tout cas c'est bon, c'est low carb. Là. Pour les enfants, là, ça va être super pour eux autres, pour des collations. Je vais essayer de voir s'il n'y avait pas des recettes que je pourrais faire pour eux autres, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien là-dedans. C'est juste du maïs. Maza, maïs puis sel. Fait que d'après moi, là, maza, je ne sais même pas c'est quoi, mais c'est comme pop-corn. Du jus de citron. C'est juste du jus de citron puis des sulfites. Fait que tu sais, il n'y a même pas... d'autres choses que ça, là, comparativement à l'autre qu'on achète d'habitude. Puis ça, on ne l'avait pas au Saguenay. De l'huile d'olive en d'avocat en vaporisateur. Il y avait des cocombes. Une pizza keto surcharge de bacon. Fait que c'est pas la meilleure affaire, mais quand même, j'ai décidé que pour ce soir, ça allait être mon souper. Puis que ça allait être bon. Des petites tomates. Fatigué, il en est deux fois des Yogo Nano. Il était en spécial. Du bacon pré-cuit. De la viande à fondue. Du chou-fleur. Du fromage en grains. J'ai acheté du coulis de tomates aussi. Dans ma yo, en spécial. Le souper de la famille, c'est la superstar. Fromage mozzarella, céréales grives. C'est tout pour le Costco. Je me suis acheté ça chez Simon pour mes photos. C'est des lots, c'est comme 5 ustensiles. Je me suis acheté ça. Il les a toutes. Ça aussi, pour mes photos.
c'est tout. Ouais. Plus ça va, plus j'ai l'air fatiguée. Ok, mes valises sont toutes défaites. Toutes défaites. J'ai déjà deux brassées de linge. Ben, une dans la sécheuse, une dans la laveuse. Mes tas sont faites. Mes valises sont serrées là. Je ne sais pas encore où je vais les mettre. J'ai du petit sortage d'hiver à faire. Pour souper, on mange de la pizza. Moi, je vais manger du fromage. J'ai mangé du fromage en croûte. Puis, on a pris la sauce piquante. Puis, ça piquait vraiment. Fait que c'est ça. Je continue de me ramasser. Ça fait du bien d'être à la maison. C'était spécial de voir ma maison quand je suis arrivée. J'avais l'impression de ne plus la reconnaître. Genre. C'était comme vraiment drôle. J'espère que tu as aimé tout ce que je t'ai montré dans ce long vlog-là. Ben, j'ai l'impression qu'il faut être là. Je sais pas. Mais bon, ça me fait. Ça va me faire tout drôle de l'avoir monté, de l'avoir vécu puis de le remonter par la suite. C'est sûr que je vais tout mettre en œuvre pour continuer d'aller dans ces voyages-là. Je vais être dehors, là. On va aller respirer l'air un peu. L'air frais. Ça crie dans la maison. Fait que c'est ça. Je vais vraiment tout faire pour faire en sorte de remériter ce voyage-là. Au moins pour moi. Encore mieux pour deux. Je vais vraiment beaucoup parler d'Épicure, beaucoup parler de tout ce que ça m'apporte. Ben, je pense que tu peux le voir aussi, là, à quel point ça me fait progresser dans ma vie, fait vivre des expériences que j'aurais jamais vécues. Fait, je vais proposer souvent l'opportunité de devenir conseillère, pas parce que ça me rapporte à moi, là. Pas nécessairement. T'sais, oui, un peu, mais pas autant que ça peut t'apporter à toi. Genre, c'est comme... Ça va au-delà du fait que, tu sais, je veux dire, moi, là-dedans, je vais être là pour te coacher parce que je trippe tellement, j'aime tellement ça que j'ai envie que tout le monde trippe autant que moi puis qu'ils vivent ce que je vis puis qu'ils avancent comme j'avance puis qu'ils aient envie d'avancer, qu'ils aient envie d'aller chercher des reconnaissances comme ça, des voyages extraordinaires, des expériences extraordinaires. Bref, je pense que ça vaut vraiment la peine de l'essayer parce que, dans le fond, si je l'avais pas essayé, là, moi, j'aurais jamais vécu ça. Là. C'est ça, ça, ça. Je le dis souvent, là, puis tu sais, ça n'a pas de bon sens comment est-ce que ça m'a apporté beaucoup plus que pas apporté, tu sais, je veux dire, à la limite. Là. Au début, je m'assumais pas en tout. Je sais pas si tu t'en souviens du début, quand j'ai commencé avec Épicure, comment est-ce que j'étais peu sûre de moi, mais maintenant, j'aurais le goût, genre, que vraiment tout le monde l'essaye. T'sais, au moins, l'essaye. Même si ça fait pas pour toi, c'est pas grave. T'sais, je veux dire, au pire, tu vas l'avoir essayé, puis tu vas l'avoir vu si c'était fait pour toi ou pas. T'sais. Puis, j'essaye beaucoup de mettre l'emphase sur pas la vente, justement, sur de se mettre de l'avant dans les produits qu'on offre. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que juste vendre des pots d'épices. Là. En tout cas, de mon point de vue à moi, si tu me suis sur mes réseaux, tu peux voir un peu que mon approche, c'est vraiment comme partager ma façon de comment je me sens avec mes pots, avec mes épices, ce qui me rappelle des souvenirs. Tu sais, je suis vraiment plus là-dedans dans ce que ça m'apporte au quotidien que dans « achète-moi des produits ». Tu sais. Oui, achète-moi dans cette tente, là, mais tu sais, je suis pas... je suis plus reconnaissante que les gens me suivent sur ma page, aient envie de me poser des questions, aient envie de découvrir les produits. Pas juste parce que je suis une vendeuse d'épices, tu sais, je veux dire, je fais pas, comment je pourrais dire ça, je vis pas de ça, là, présentement, là. Même si, tu sais, ça me rapporte quand même un bon petit salaire personnel, là, je pourrais dire, mais je pourrais pas vivre juste d'épicure présentement, là, c'est sûr, tu sais, pour que ce soit clair, là, c'est ça, mais en tout cas, si c'est pas toi, c'est pas toi qui te joins à mon équipe, puis qui a le goût d'essayer, peut-être que tu connais quelqu'un, hein, peut-être que t'as quelqu'un dans ta tête que tu verrais faire ça, tu sais, que tu verrais avoir autant de plaisir que j'en ai. Peut-être que c'est toi, puis que tu sais pas encore aussi. Moi, je savais pas encore. Fait que c'est ça, tu sais, je dirais, ça coûte pas grand-chose d'essayer. Voilà, le message est lancé. J'ai-tu lancé vraiment? Désolée. Fait que c'est ça. Fait que voilà, là-dessus, ben, je te souhaite un super belle nuit, soirée, journée. Puis aujourd'hui, c'était l'action de grâce. Puis je voulais dire aussi une dernière chose, hein, que je suis reconnaissante fois 1 million
de tout ce que j'ai vécu cette semaine dans le sud, de tout ce que j'ai vécu avec mes belles amies Épicure, puis les connaissances, les expériences que j'ai faites cette semaine, le travail que j'ai fait durant l'année aussi. Je suis reconnaissante d'avoir travaillé avec plaisir, en respectant mes limites. Puis, malgré tout ça, j'ai quand même mérité un voyage pour deux. Et j'étais la septième dans toutes les conseillères Épicure. Donc, on est 5 ou 6 000 conseillères Épicure, Canada et États-Unis. J'étais la septième meilleure en points. Donc, c'est moi qui ai ramassé la septième meilleure en points avec Épicure. Ça, c'est grâce à mon équipe. C'est grâce à vous autres, à toi, ma cliente. Mais c'est ça, c'est grâce à tout le monde qui m'encourage, puis tu sais, je l'apprécie énormément. Je suis vraiment, vraiment pleine de gratitude par rapport à ça. Puis, je te souhaite de trouver quelque chose, peut-être pas dans Épicure, mais peut-être ailleurs, qui va t'apporter autant qu'Épicure peut m'apporter à moi. Fait que là-dessus, ben là, c'est vrai. Encore une fois, je te dis un beau bonheur. On se reparle demain dans une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner. Bye!